Alors, bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, nous allons vous présenter essentiellement le département de pathologie et biologie cellulaire de l'Université de Montréal, donc plus particulièrement notre programme au deuxième cycle. Alors, je me présente. Mon nom est Andréane Grosset. Je suis responsable de laboratoire et chargée de cours dans notre département. À mes côtés, nous avons également Romain Quérol, qui est professeur adjoint de clinique et responsable du nouveau laboratoire d'enseignement dont je vais vous parler un peu plus tard. Il y a également Catherine David, notre technicienne en gestion des dossiers étudiants, plus communément appelée TGDE. Et enfin, on va avoir le témoignage d'une de nos anciennes étudiantes, bien qu'elle est encore très, très présente dans notre département, Mme Cani Diop. Alors, aujourd'hui, nous allons essentiellement parler du micro-programme, mais également, je vais glisser un mot sur la maîtrise, vous allez comprendre un peu plus pourquoi par la suite. Alors, notre micro-programme, dans les dernières années, nous avions environ entre 2 et 5 étudiants par année avec nous. Et là, cette année, nous sommes capables d'accueillir à peu près 10 étudiants. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, vous êtes une petite cohorte et on peut maintenant vous donner un encadrement et un soutien très personnalisé grâce au petit nombre que vous êtes. Qu'est-ce que ça fait aussi? C'est que pendant vos cours théoriques, il va y avoir un apprentissage qui est très interactif avec le professeur, l'enseignant qui est devant vous. Donc, il va y avoir beaucoup d'interactions, que ce soit verbale ou sous forme de quiz. Donc, on s'amuse dans nos cours théoriques tous ensemble avec une petite cohorte. L'accessibilité au laboratoire d'enseignement. Donc, comme je vous ai dit, on a un tout nouveau laboratoire d'enseignement dans notre département et le labo, il est destiné en priorité au micro-programme. Donc, il est accessible pour vous dans les travaux pratiques ou même en dehors pour vous pratiquer. Et enfin, dans ce laboratoire, il va y avoir un travail collaboratif. Donc, le micro-programme, c'est 10 étudiants qui vont travailler en équipe parce que c'est comme ça qu'on travaille par la suite dans les domaines comme la recherche. La première année, en fait, on débute tous par un tronc commun, le micro-programme, avec des cours, bien sûr, théoriques, d'une part. Donc, ici, je vous ai mis les différents cours dont vous allez suivre. Donc, tout d'abord, à l'automne, on commence avec le cours PBC 6042, qui sont les fondements en biologie moléculaire. Qu'est-ce que c'est ça? Bien, essentiellement, on va beaucoup parler de l'ADN, tout ce qui découle autour de ça et le séquençage, d'où le programme en médecine personnalisée. Ensuite, il y a le cours qui se donne en même temps, le PBC 6043, sur les procédés et les méthodes en histopathologie. Alors ça, c'est de voir toute la théorie derrière, toutes les techniques qui sont indispensables pour préparer un tissu, puisque, comme vous voyez ici, nos lames colorées pour être capable de visualiser toutes les structures en histologie. Donc ici, on va vraiment se baser un peu plus sur tout ce qui est normal et technique pour arriver à regarder nos lames en microscopie optique et en microscopie virtuelle. Ensuite, à l'hiver, on pousse un peu plus loin. Donc là, on a le PBC 6044, l'histopathologie diagnostique appliquée. Ici, il va y avoir des pathologistes qui vont venir avec vous en microscopie virtuelle pour être capables de diagnostiquer des pathologies sur nos lames. Donc cette fois-ci, on regarde des tissus qui sont malades. Et enfin, un dernier cours à l'hiver, le PBC 6045, pathologie moléculaire expérimentale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben là, on pousse plus loin sur les techniques qu'on a apprises ici dans PBC 6043. Donc, on y va avec des techniques de base qu'on utilise tous les jours en pathologie dans nos hôpitaux, donc par exemple l'immunohistochimie, mais également, on va vers des techniques très innovantes qui sont encore en développement en recherche, comme par exemple la microscopie Raman. Comme j'ai dit un peu plus tôt, on a maintenant un laboratoire d'enseignement dans notre département. C'est une nouveauté. Donc, vous seriez les premiers dans le micro-programme à y entrer et à pratiquer l'histologie, les différentes techniques. Donc là, on commence à l'automne avec un stage de recherche dirigé, le PBC 6046. Et ça, en fait, c'est pour vous initier aux différentes techniques qu'on utilise en histologie, plus particulièrement en recherche. Donc là, ici, c'est sûr qu'on utilise ça dans les hôpitaux, mais là, on veut aller vers un domaine un peu plus recherche. Donc, on commence par la nécropsie d'une souris, puis ensuite, on va aller chercher tous les organes et on va aller les placer, comme vous voyez ici, dans une petite cassette, les circuler, les mettre en bloc et jusqu'à la fin, couper notre lame,
la colorer et visualiser tous les tissus qu'on peut retrouver dans notre souris pour avoir un bel éventail de qu'est-ce qu'on pourrait faire en recherche. Donc, premier stage à l'automne. Le deuxième stage, le PBC 6047, toujours dans le laboratoire d'enseignement. Donc, cette fois-ci, là, on va aller plus vers l'humain. Donc, ici, ce qu'on veut faire, c'est de poser au final un diagnostic en pathologie à l'aide des techniques spécialisées que vous aurez apprises dans vos cours théoriques, bien entendu. Alors là, on commence ici par une visite dans une salle d'autopsie du CHUM. Donc, vous avez la chance d'aller voir comment ça se passe à l'hôpital, comment qu'on retire les organes d'un corps humain. Ensuite, bien entendu, on va avoir aussi accès à des blocs de paraffine qui nous viennent de l'hôpital avec différentes pathologies. Et là, votre rôle, ça va être de regarder ces blocs-là, découper, d'aller les colorer, de les visualiser, mais également d'aller analyser des biomarqueurs que vous aurez choisis pour être capable de poser le bon diagnostic. Par la suite, quand vous avez terminé cette année-là, donc ici, c'est une année de deuxième cycle avec des rapports de stage à faire, bien entendu, mais pas plus que ça, et vous terminez avec une attestation d'études pour le deuxième cycle. Où est-ce que ça peut vous mener? Ben, essentiellement vers deux endroits très différents, donc vers les compagnies sur le marché du travail, c'est essentiellement les sociétés de recherche contractuelles, donc qu'on appelle communément les CRO. Donc ici, en fait, le titre est souvent technicien en histologie, mais votre bagage est très intéressant pour ces compagnies parce que vous devez servir des clients qui sont essentiellement des compagnies pharmaceutiques qui font du développement de médicaments. Donc, vous faites les analyses toxicologiques sur les souris et vous allez faire toutes les techniques que vous aurez apprises pendant le microprogramme pour être capable de mener les projets pour servir ces clients. D'autre part, vous pouvez également rester dans l'académique. Donc, on a énormément de centres de recherche affiliés surtout à nos hôpitaux et nos universités qui sont à la recherche de personnes qualifiées en histologie et en pathologie. Souvent, le titre d'emploi va être assistant de recherche et là, c'est votre rôle maintenant d'être capable de mener la recherche fondamentale vers le diagnostic clinique qu'on appelle le translationnel. Donc ici, vous allez être le lien entre les chercheurs et les pathologistes. Vous allez être capable de comprendre les deux côtés. Donc, très recherché en académique. Vous pouvez également, par la suite, faire des demandes d'admission, comme certains anciens étudiants ont fait, vers des programmes un peu plus contingentés en sciences de la santé, par exemple en médecine. Là ici, donc, on a terminé notre cohorte de 10 étudiants qui ont obtenu leur diplôme de deuxième cycle. Mais là, on veut aller avec certains étudiants vers la maîtrise, ceux qui sont intéressés à aller un peu plus loin. Donc, sur les 10, quelques-uns sont sélectionnés. Donc, on doit jumeler les étudiants avec un chercheur pour qu'ils puissent entrer pendant un an dans un laboratoire d'accueil. Donc, ici, vous allez faire un projet de recherche avec ce chercheur pour mettre en application toutes les notions théoriques et toutes les techniques que vous aurez apprises tout au long de votre microprogramme. Donc ça, c'est le PBC 6048, c'est votre stage de recherche en médecine personnalisée et ça s'effectue de l'été jusqu'à l'hiver de l'année après le microprogramme. Alors, quand on termine la maîtrise, maintenant, on a un diplôme de maîtrise fait la différence avec notre attestation d'études et on a le titre MSc. Donc, c'est les petites différences qu'on a ici. Essentiellement, sur le marché du travail, vous allez aller vers les mêmes compagnies et les mêmes centres de recherche et universités qui recherchent le même perfectionnement que vous aurez acquis pendant le microprogramme et que vous aurez un peu plus appliqué pendant la maîtrise. Autre point intéressant, lorsque vous terminez ici, vous pouvez poursuivre vos études supérieures au doctorat. Et très intéressant, autant pour les étudiants que pour les chercheurs, ici, on le fait sans mémoire. Donc, à la fin de votre stage de recherche avec le laboratoire d'accueil, vous n'avez qu'à déposer un rapport de stage et non un mémoire. Donc, c'est une maîtrise sans mémoire. L'horaire typique, en fait, pendant le microprogramme, on va avoir un cours théorique le lundi matin et un cours théorique le lundi après-midi. Donc, vos lundis sont chargés en théorie. Par la suite, le jeudi, soit toute la journée ou encore on doit faire des expériences sur deux jours, donc le jeudi après-midi et le vendredi matin,
on est en laboratoire d'enseignement pour mettre en pratique ce qu'on a appris en théorie. Ça, c'est la partie micro-programme dans la première année. Si on poursuit une deuxième année à la maîtrise, alors on ajoute des cours à option et bien entendu, on est à temps plein dans notre laboratoire d'accueil pour cette année entière. Les points importants à retenir, donc pour appliquer ici au micro-programme, là, faites attention, n'appliquez pas à la maîtrise parce que comme je viens d'expliquer, la maîtrise, on sélectionne nos étudiants qui sont déjà dans notre micro-programme pour les garder à la maîtrise. Donc vous, si vous êtes nouveau, vous devez appliquer au micro-programme option pathologie moléculaire et médecine personnalisée. Point important à se rappeler, vous avez jusqu'à demain 23h59 pour être capable d'appliquer. Donc, vous posez tout simplement votre demande d'admission. Ce n'est pas très compliqué, ce n'est pas très long, mais il faut le faire avant demain, 23h59. Ensuite, là, vous avez 10 jours pour ajouter tous les documents qui sont importants, qui sont un peu plus longs à préparer. Donc, première chose, vous devez nous déposer un diplôme de premier cycle en sciences de la santé, en sciences de la vie, ou encore un équivalent, par exemple, un doctorat en médecine. Un relevé de notes, donc ici à l'Université de Montréal, on demande un minimum de 3 sur 4.3. Si vous venez d'une autre université, vous devez, très attention, là, vous devez ici regarder le barème de votre université où vous avez fait votre baccalauréat ou tout autre diplôme équivalent pour vérifier si vous seriez éligible dans cette université-là pour aller à la maîtrise. Donc, nous, on va se fier à la note de votre université de baccalauréat. Ensuite, très, très important, une lettre de motivation. Donc, essayez de nous convaincre que vous êtes là fin février, début mars. On va commencer à vous convoquer en entrevue. Et enfin, si vous êtes convoqué, vous avez passé l'entrevue et qu'on vous a choisi, donc vous êtes sélectionné pour le micro-programme qui commence en septembre 2022. Alors, maintenant, je vais laisser la parole à notre ancienne étudiante, comme j'ai dit, qui est encore très présente au département. Donc, Mam Kani, c'est à toi. Oh, pardon, on ne vous entend pas, le micro est coupé. Ah, désolé. Je reprends. Donc, bonjour à tous. Moi, j'ai fait un baccalauréat en sciences biomédicales, aussi à l'Université de Montréal, avant de m'inscrire au microprogramme en pathologie moléculaire et médecine personnalisée. J'ai dû passer une entrevue avant d'être acceptée dans le programme. Donc, moi, j'ai fait partie de la première cohorte du microprogramme en 2015 et nous étions seulement 4 étudiantes. Donc, comme ça a été dit, on a vraiment eu un enseignement personnalisé, bien encadré. Et le fait aussi d'être aussi peu, ça nous donne place à plus d'interactions avec les profs et les autres étudiants. Donc, comme Dr. Rosset l'a dit aussi, par exemple, il y a un prof qui a apporté des cartes avec des quiz dessus sur les notions qu'on voyait en classe. Et à la fin du cours, on s'amusait à y répondre chacune de notre tour. Et j'ai eu les deux mêmes cours les lundis à chaque session. Et je pense que si vous aimez l'histologie et la pathologie, vous allez adorer les cours. Sinon, moi, quand j'ai fait le micro-programme, il n'y avait pas encore la partie pratique en laboratoire d'enseignement. À la place, j'ai été jumelée directement en chercheur dès la première session. Donc, les deux stages du micro-programme étaient dans un laboratoire d'accueil, mais comme pour la partie pratique en laboratoire d'enseignement que vous allez avoir si vous faites le micro-programme, j'ai eu le choix entre faire mon stage une journée complète ou deux demi-journées. Et j'ai fait mon stage au centre de recherche du CHUM dans le laboratoire de Dominique Trudel, qui est pathologiste et chercheuse régulière. Mon projet est porté sur le cancer de la prostate, sur l'identification de critères histologiques pronostiques du cancer de la prostate. J'avais des lames de tissu de prostate de patients qui avaient récidivé, c'est-à-dire des patients chez qui le cancer est réapparu après que leur prostate ait été enlevée, versus des patients qui n'ont pas eu de rechute. Et je devais voir si je trouve des critères histologiques qui sont plus fréquents chez les hommes qui ont récidivé. Donc, j'ai regardé de nombreux critères. Ça allait de l'architecture formée par les cellules cancéreuses jusqu'à l'aspect des noyaux. Et c'est sur ce projet que j'ai travaillé durant mes deux stages du micro-programme et ensuite à la maîtrise, durant laquelle je me suis concentrée sur un critère en particulier qui était la présence de noyaux pycnotiques. Ce sont de petits noyaux denses qui ont un aspect très foncé. Donc, j'ai pu poursuivre, comme je l'ai dit, avec la maîtrise dans le laboratoire, dans le même laboratoire à temps plein, en plus des cours obligatoires, plus des cours à option, vu que j'ai fait aussi la maîtrise avec stage. Et j'ai pu terminer ma maîtrise en 3 sessions. Et à la fin, j'ai dû rendre un rapport de stage
qui a compté pour 15 crédits. Et c'est grâce à cette maîtrise que j'ai pu m'inscrire au doctorat en biologie moléculaire, que j'ai fait toujours dans le même laboratoire de pathologie. J'ai continué à travailler sur les critères histologiques qui sont associés à un mauvais pronostic dans le cancer de la prostate, mais cette fois en regardant un sous-type particulier qui est particulier agressif du cancer de la prostate qu'on appelle le carcinome intracanalaire de la prostate. Et d'ailleurs, les résultats de cette étude ont été publiés très récemment. Sinon, grâce à l'expertise en pathologie et en histologie que j'ai acquis lors du microprogramme et de la maîtrise, j'ai pu occuper plusieurs postes étudiants dans le département de pathologie. Donc, actuellement, je suis auxiliaire d'enseignement pour des cours d'histologie. En fait, ce sont des travaux pratiques durant lesquels les étudiants doivent regarder des lames de tissus normaux ou pathologiques au microscope. Et en tant qu'auxiliaire d'enseignement, je suis chargée de les aider avec les microscopes ou de répondre à leurs questions sur les lames. Et je suis aussi chargée de projets pour le tournage d'un laboratoire virtuel d'histologie, en immersion totale dans le laboratoire d'histologie. Et puis, juste pour vous donner un exemple, pour un des scénarios, la simulation elle commence par la vidéo d'une biopsie dans la salle d'opération. Puis l'étudiant pourra effectuer toutes les étapes qui permettent d'avoir de l'obtention de lames de tissu coloré qui vont servir au diagnostic. Mais bon, vous allez avoir la chance de le faire vous-même lors des parties pratiques du laboratoire d'enseignement, donc ce sera encore mieux. Sinon, je pense d'avoir rien oublié. Donc, si vous avez des questions sur mon expérience durant les microprogrammes ou bien la maîtrise ou les emplois étudiants, ça me fera plaisir d'y répondre. Merci, Mme Gagné. Ah, super. Donc, comme vous voyez ici, Mme Gagné, elle est très satisfaite de son microprogramme maîtrise et maintenant son doctorat. Et vous voyez ici un peu toutes les techniques que je vous ai montrées pendant tout le long de la présentation. Donc, vous avez des superbes images sur toutes les techniques que vous allez être capable de faire, là, de la macroscopie jusqu'à la mise en bloc et couper une lame ici dans un cryostat ou encore colorer. Donc, ça, c'est toutes des techniques que vous aurez à effectuer pendant le microprogramme et peut-être pendant la maîtrise. Alors, pour terminer, avant de prendre vos questions, donc, si vous voulez en connaître un peu plus sur le microprogramme et la... Si vous avez des questions un peu plus spécifiques, précises, donc, vous pouvez toujours contacter Catherine David, notre TGDE, qui va se faire un plaisir de vous répondre ou de vous référer à la bonne personne pour répondre à vos questions. Donc, comme Romain vous a dit, on vous dit un grand merci d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Et on espère pouvoir regarder vos demandes d'admission et peut-être...